Je travaille à la Focale comme coordonnatrice agriculture, donc je travaille énormément avec tous les artistes principaux dans toutes les disciplines, mais beaucoup avec les artistes de théâtre. Et parfois je travaille à titre personnel, je fais des mises en scène également, j'essaye d'accompagner les comédiens, les metteurs en scène. Et cette année, Quatre Chemins m'a invité. Ce qui m'a fait extrêmement plaisir. Ah, mais ça a débuté il y a quelques bonnes années parce que, bon, depuis, j'ai commencé à travailler à Focale en 2007 et à l'époque c'était la Focale qui assurait la coordination et l'organisation du festival Quatre Chemins en partenariat avec l'Institut français. Et donc j'ai été amenée dans le cadre de mes fonctions à organiser ce festival, ce que j'ai fait jusqu'en 2013. Date à laquelle le festival a pris son autonomie et son envol. Ah ben très, très flattée et très contente, très heureuse surtout. Ça me donne l'occasion de faire du théâtre. C'est génial d'être invité d'honneur. Cette pièce-là, c'est Victor ou les enfants au pouvoir et écrivain Rélé Roger Vitrac, auteur pièce-là Rélé Roger Vitrac. C'est en pièce qui n'est pas tellement récent, elle est datée de 1928. Mais ce qui est intéressant, c'est que lit toujours extrêmement actuel. Et si on écrive en français, même remarquer que lit traversait bien Haïti, qui est toujours très moderne, très 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 contemporaine, parce que le thème que lit traitait, la bourgeoisie, cet art, ses mensonges, ses hypocrisies, son culte de la richesse, c'est des débats qui sont toujours très actuels. Et bien que pièce-là écrite par un écrivain français, il semblait très actuel en Haïti. Il fait un très bon voyage transatlantique, si je peux parler comme ça. Victor, qui a 9 ans, c'est jeudi à jour, pièce-là fête, c'est la fête 9e anniversaire. Et puis, il décide de la bousculer tout bas. Il a fait une petite révolution interfamiliale, si j'ose dire, contre tout problème qui est dans le monde non bourgeoisie, et ailleurs aussi d'ailleurs, il faut le préciser, et qu'il va tout faire exploser, faire surgir la vérité, toute la vérité. Il y a 11 acteurs sur scène. Gain certains me choisissent immédiatement parce que je connais déjà, je travaille déjà avec eux. Et puis pour toute une série de personnages, moi je fais passer audition, mais ce n'est pas vini, réciter texte là. Audition a duré une semaine et me fait au travail. Moi qui j'en ai qu'à évoluer pour un travail je fais sur une semaine pour interpréter rôle là. Alors, pièce là, jouée mardi 26 et mercredi 27 novembre, ici dans Focale à 4h de l'après-midi. C'est que parfois, quand on veut changer les choses, quand on veut faire bouger les choses, parfois on meurt pour ça.